Oui, c'est parti. J'ai appuyé dessus, mais des fois il y a un petit temps d'arrêt, un petit temps de réaction. Et je vous fais encore un haul Picard. Ouais. Je suis retournée chez Picard et je me dépêche. Là, on vient d'arriver, je suis encore toute rouge. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris vite, vite, vite. Parce que c'est du congelé. Voilà. Alors, on a pris des pommes de terre au thym et au citron. Comme ça. Alors ça, on avait envie de les tester. Par contre, comment je vais faire? C'est comme ça, mon mari, il les reprend et les met au congèle au fur et à mesure. Voilà. Alors, les petites patates. 2,95. Ça fait cher le kilo de patates, mais bon, c'est tout prêt. Ensuite, ça, j'adore ça. C'est encore des patates, mais c'est des rostis. Voilà, je sais, on peut les faire soi-même. Mais flemme, hein, avec le boulot, flemme. 2,50. Ensuite, bah, encore des patates. Mais celle-ci, c'est pas n'importe quelle. C'est les patates qui sauvent la vie. Voilà, il nous en reste. Mais à chaque fois qu'on va chez Picard, en général, on en prend un pour que ça tourne. Donc ça, hop. Je vous avais dit dans le haul de la semaine dernière combien ça coûtait. 1,20€. Ça, ça va. C'est pas cher. Ensuite... On voulait se faire un petit déj là en rentrant, mais quasiment 11h, ça sera pour demain, parce que demain matin, on ne travaille pas. Donc, on se fera un petit déj demain. On a pris des mini croissants, comme ça, ça sent bon dans le four. Moi, j'aime bien. Il y en a 10 pour 2,85. Ça, c'est purement plaisir d'avoir l'odeur et d'avoir le croissant tout chaud. Ça, mon mari, il a voulu ça, il aime bien ça. D'habitude, on ne prend pas ceux-là, mais apparemment, il n'y avait pas les autres, j'ai pas vu. C'est du poisson pané comme pour les gosses, mais bon, nous on s'en fout, on aime ça aussi. C'est. Bah dis donc, t'as vu le prix de tes trucs? 8 et quelques, non? 8? Bah oh, t'étais fou, moi j'aurais pas pris. Hein. 8€ ça? Bah non. C'est comme les enfants, faut surveiller. Ensuite, non, 8€ j'aurais pas pris, honnêtement j'aurais pas pris. 7,95 pour des poissons panés. Non. Là, c'est des gros pois. Voilà. Les gros petits pois. Et ils sont bons, ceux-là, ils sont sucrés et tout. Moi, j'aime beaucoup. Ils appellent ça des garden peas. 1,90. Voilà. Ensuite, moi, j'aime épinards à la crème œuf dure. Voilà. Donc, j'ai repris des épinards hachés. Et t'en fais du bouquin derrière. Hein. 1 kg pour 1,40€. Ça, ça va, c'est pas cher. Ça compense les trucs un peu plus chers. Haricots verts. Parce que moi, je préfère les haricots verts comme ça que les haricots verts en boîte. Haricots verts. 1 kg, 1,75€. Et oh, je vous les montre à l'envers, c'est pas grave. C'est des extra fins. Bah, ça fait des légumes et puis ça évite d'éplucher, c'est tout prêt, c'est lavé, c'est parfait. 1 kg de... chou-fleur, 1,60. Il n'y a pas de perte au moins, voilà. Alors que quand on achète un chou-fleur entier, bah, tout le verre c'est acheté. Je pense pas qu'on puisse faire de recette avec le verre. Ah non, c'est pas... Ensuite... Dans les petites herbes, j'ai repris de la ciboulette. Je crois que la dernière fois, j'avais pris de l'ail et... de l'ail et quoi? Je crois que c'était de la coriandre, je suis plus sûre. Donc de la ciboulette. Ça, les petites herbes. Ciboulette 1,80. C'est pas donné, mais c'est pratique. Parce que moi, quand j'achète un truc en frais, bah, je m'en sers pour ma recette. Et puis après, ça pourrit dans le frigo presque. Ça, je crois que je sais pas si c'est le même qu'on avait pris la semaine dernière. Mais il était très très bon. Et on l'a fait avec une salade et un petit filet d'huile de noix. C'était super bon. Le hachis, 3,95. Je sais, c'est facile à faire. Mais moi, je cuisine très très peu. Mais j'ai envie de temps en temps de m'y mettre quand même. Ça m'arrive, quand j'ai envie, je vais cuisiner, mais c'est pas souvent que j'ai envie. Faut que j'aie une idée de recette ou un truc, quoi. Ça, c'est pour dépanner vite fait, voilà, parce que comme j'ai une coupure maintenant
au boulot, enfin la semaine dernière j'avais ça, je ne connais pas encore mes horaires de la semaine prochaine, bah des fois un petit plat comme ça à faire réchauffer, je sais, je vous entends dire bah t'as qu'à préparer le soir et tu te fais réchauffer, mais bon, ça c'est bon en plus. Donc c'est du saumon et colin d'Alaska à l'oseille et des pommes de terre à l'étouffée. Donc le petit plat il est à 2,30€. Voilà, ensuite robe la mademoiselle, vous la voyez. Est-ce que vous la voyez? Voilà. C'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, bah non. Et vous bossez pas le moment, c'est confus. Alors. En fait, elle veut le sac. Tiens. Il n'y a plus rien. C'est les fameux sacs, les nouveaux sacs de chez Leclerc, parce qu'ils font plus de sacs en plastique. À la base, j'y allais pour ça. La semaine dernière, j'avais acheté ça. Je me suis dit, bon, on va goûter, on verra si c'est bon ou pas. Pourquoi si c'est bon ou pas. Au final, moi, j'ai adoré ça, avec une salade aussi. Une tuerie. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de moutarde dans le fond. Franchement, j'ai adoré. Donc, du coup, j'en ai repris 4 paquets. Ouais, 3 paquets. Pardon, parce que c'est 4€, c'est ça embrouillé dans ma tête. Voilà. Mais attendez. Est-ce que vous la voyez? Voilà, elle voulait le sac. Voilà. Vous avez mal au cœur, c'est pas grave. Ensuite, on avait juste besoin de grenadine. Enfin, du truc pour mettre dans la boisson. Donc, on est passé à côté. Il y a un Super U pas très loin. Donc, on a foncé. Ouais, j'ai chaud. On a foncé au Super U. Et à Picard, il n'y en avait pas. Mais ma fille, elle adore ça. Les mini pizzas comme ça. Donc, on lui a pris au Super U. Donc, au Super U, on change de note. Là, je vois moins bien. Là. Oui, mes lunettes. J'ai pas le temps. baguette, non c'est pas ça, jambon, ça c'est 2,48€, les mini pizzas comme ça. Hop. Ensuite, mon mari s'est pris ça, on a deux morues parmentières, voilà, ça dépanne hein, avant de partir au boulot, quand il est du soir, c'est pas mal, ou même le soir quand il rentre tard, et que moi j'ai eu la flemme de cuisiner, bah il se fait ça. 2,06€. Voilà, après c'est tous les surgelés, hein, il n'y en a plus. Okay. Ensuite, des knackis, je sais que c'est pas bon, mais bon, mon mari se fait des sandwichs avec ça pour le midi quand il part toute la journée. Donc, saucisse 1,65€. Ensuite, on voulait se faire un petit déj, mais clairement, on se le fera demain. Voilà, on voulait se faire un petit déj, donc du coup, j'avais pris du bacon. Les croissants, je les ai passés? Oui. Ah oui, bah voilà. Les mini croissants, bah oui, je vous en ai parlé, les mini croissants, le bacon et des œufs sur le plat. Nous, on aime bien faire ça des fois le dimanche, mais bon, on fera ça demain, on ne travaille pas le matin, comme je vous ai dit. J'ai pris du jambon pour faire des croque-monsieur. Donc, j'ai repris ça, mais moi je n'en mettrai pas. Alors maintenant les croque-monsieur, moi je les fais double. C'est pain, beurre, oui beurre, jambon, carré de fromage là, repain, beurré, refromage, rejambon et tartine. Et oui, ça passe dans l'appareil à croque-monsieur, donc c'est très très bon. En double, c'est très très bon. Vous pouvez vous faire un œuf au plat et le mettre dessus, c'est encore meilleur. ça c'est pour... T'es folle toi? Elle saute partout. Ça c'est... Ben voilà, pour manger. Hein. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris en rosette. Mais je vous ai donné aucun prix. Donc. Le jambon 2,60€. Le bacon 1,95€. Les saucisses 1,65€. La rosette 1,64€. Le saucisson sec 1,64€. Là, c'est une tuerie, là, les petites baguettes viennoises comme ça pour faire des sandwichs. Justement, c'est très très bon. Petit sandwich au jambon, jambon beurre avec quelques rondelles de concombre, un peu de salade, c'est pas mal. Ouais, mais non, mais il est quelle heure? Bah oui, il est midi 2, j'ai faim, c'est ça. J'ai même pas pris de petit déj ce matin, j'ai la dalle. C'est 1,66€.
pris, ben, on n'en avait plus. Moi, je préfère ça au ketchup. Donc, on a pris la sauce barbecue. En plus, celle-ci, elle est au miel. Elle est très, très bonne, celle-ci, Amora. Ben, on est passé devant. On a dit, oh, on n'en a plus. Allez, hop, on va reprendre. Barbecue, 1,76. Moi, je sais pas boire. Franchement, je sais pas boire de l'eau toute seule. Je sais pas boire. Même l'été, c'est dur. Donc, on a pris du faux iced tea, comme ça, de la marque U. Qui est pas très loin, qui est où, 1,61. On a pris des clémentines à 2,35 le kilo. Il y en avait en barquette, mais c'était beaucoup plus cher. Hein, quand même. Et on a pris des bananes. On n'a pris que 4 parce qu'en général, je les laisse noircir. On les mange pas dès qu'elles commencent un peu à tacheter. C'est pour ça l'autre jour on avait fait un banana bread parce que bah, elles étaient toutes noires et puis on voulait plus les manger. Ah, quand même 1,99 le kilo. Et le pourquoi on est sorti, c'est pour la grenadine ou la menthe ou quoi que ce soit. Et là du coup on a pris de la grenadine parce que je bois si j'ai du goût. Si j'ai pas de goût, j'arrive pas à boire, c'est bizarre. Hein. Comme les gosses en fait. Boisson, bidon, c'est 1,45. Voilà mon petit retour de course. C'est pas des grosses courses, hein, mais c'est. Bah ça va toi? Hein? Elle est dans le sac, elle joue. Et du coup, elle met des coups dans le trépied. Ça va, tu t'amuses? Bah ouais, s'éclate. Elle s'éclate, je sais pas si vous verrez. Attendez. Ah bah voilà, elle fait sa starlette là. Paparazzi, elle veut pas être filmée. Bon, je vous laisse, je vais ranger ça maintenant. Mon mari, il a rangé tout le surgelé, c'est bon. J'ai plus ça à faire. Il a... Vous voyez, ça sert un peu les maris quand même, hein. Et je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis bah, à bientôt hein, dans une autre vidéo. Allez, bye!